Et salut à tous, ici l'Envol Kilo pour un nouvel épisode de The City. J'en tourne pas normalement en cours de semaine, mais comme je n'ai pas tourné la semaine dernière, j'en tourne un maintenant, tout simplement, pour profiter de faire un peu un petit point, notamment sur les évolutions de la map. La map évolue très bien, honnêtement. Et du coup, je fais une annonce qui devrait en ravir certains. À partir de 2016, chaque mois, vous pourrez télécharger une build de la map mise à jour. Puisque chaque mois, j'essaierai de mettre chaque semaine plus rapidement, mais je ne peux pas garantir chaque semaine. Donc chaque mois, je le garantirai. Vous pourrez télécharger une build à chaque début de mois, une nouvelle build de la map. Pour tout simplement faire des vidéos test de la map, ou bien alors modifier vous-même la map et me proposer les modifications que je les intègre. C'est des moyens. Ou alors la modifier et partir des bases de The City pour faire votre propre The City. Puisque moi, tant comme site, comme créateur originel, vous pouvez en faire, même je dirais, une exploitation commerciale de ma base. Hein, parce que j'ai pas la map n'est pas déposée, rien que dalle. Hein. Donc je soumets toutes mes créations, moi elles sont libres. Hein. Libres d'utilisation. Tant comme site quand même. Hein. Par respect. Donc ça, ce sont des éoliennes que je tourne autour depuis tout à l'heure. Donc j'ai fait un petit système de parking de minecart, comme vous pouvez voir. Et ça, c'est une lumière témoin qui indique s'il y a un minecart qui est garé ou pas. Pour ceux que ça intéresse. Voilà. Un petit bord. De côtes à réaménager, des maisons construction, des maisons construites. J'ai préparé déjà les routes. Là, j'ai déjà préparé les routes. Là, de stick s'étend. Ici, c'est une exploitation de bois. Pour ceux que ça intéresse. Donc, comme je disais, à partir de 2016, vous pourrez télécharger. Vous aurez chaque mois, j'essaierai de mettre en ligne un lien de la map à jour. Je donnerai même peut-être un nom au système. Hein. Je pensais à The City Update comme nom, tout simplement. Puis je verrai. Donc chaque mois, vous aurez du contenu. Alors, qu'est-ce qui se passera à l'arrêt de la saison 2 de la The City? Parce que on est au mois de décembre, donc du coup, on approche de la fin de la saison 2 de The City. Alors, en moins d'épisodes que la précédente, d'ailleurs, tiens, celle-là. Ben, qu'est-ce qui se passera? Eh bien, tout simplement, nous continuerons à développer la map The City. On continuera probablement des vidéos pour le canal The City. Il y aura Starcube. Qui sera en cours. Donc on continuera beaucoup de montage Minecraft quand même malgré tout. Et puis on commencera à préparer en studio la saison 3 de The City qui sortira cet été. Au lieu de le tourner en plein été ou pendant le mois de septembre, octobre, novembre, décembre comme on fait d'hab, et ben on le tournera pendant toute la moitié de l'année pour avoir la saison complète finie au moment où il faut commencer à l'envoyer. Comme ça, au moins, on est peinard et on peut avoir un rythme de publication régulier. Tiens, salut LT. Ça va? Voilà. Et j'en profite, ça s'adresse uniquement aux membres de la chaîne et non aux abonnés. J'en profite de citer les nouvelles règles. C'est simple, elles sont en 3 points. Interdiction de modifier le look et le nom sans mon autorisation, enfin l'autorisation en vol. Vidéo exclusive, c'est-à-dire vidéo uniquement présente sur la chaîne et pas sur une autre chaîne. Et troisième, la monétisation est activée mais aucun membre doit monétiser vidéo, c'est interdit. Voilà. Me demandez pas pourquoi j'ai activé alors, mais bon, ça c'est pour être mieux vu sur YouTube parce que les partenaires YouTube, même s'ils monétisent pas les vidéos, sont mieux vus sur YouTube. Hein. C'est comme ça. On a des avantages, voilà. Même si on met pas les pubs. Mine de rien. Et puis de toute façon, c'est pas la peine d'essayer de mettre les pubs parce que on n'a pas fini le processus. Donc c'est-à-dire que si les pubs sont mises, on peut pas récupérer l'argent.
Voilà, tout simplement. Donc on n'a pas, même pas encore fini le chantier de monétisation. Et puis de toute façon, elle s'adresse aux membres fondateurs, ceux qui n'ont pas de chaîne perso pour récupérer leur propre fric. Pour les autres, c'est un peu plus. C'est plus. Enfin, le but de la monétisation, c'est juste de financer les investissements qu'on fait en interne dans la chaîne. Après, les autres membres, ils peuvent s'en servir comme un forum public, enfin, comme une chaîne pour faire leur pub et gagner de l'argent aussi sur leur chaîne perso. Ils sont libres, de faire ce qu'ils veulent dans ces cas-là. Donc voilà, donc ce sont à peu près tout ce qui va se passer en 2016, hein, du Star Cube, le retour de Star Cube, le série début de l'année. Ensuite, on va continuer le JT 13h temps universel qui va faire son retour. Enfin, il fera son retour plus tôt, mais bon. Il sera enfin hors de la playlist The City. Et s'il obtient, si les contenus de le canal The City obtient le succès escompté, et ben à terme, et ben ça deviendra le, ça remplacera carrément la playlist The City à terme. À terme, on passera, on fera des montages très réguliers sur Minecraft pour la canal The City. Hein. À terme, peut-être que je ferai très souvent ça, quoi, voilà. Et même pourquoi pas, soyons fous, une chaîne YouTube spéciale pour canal The City. Mais ça serait vraiment en cas de succès fou. Ça, perso, j'y crois pas une telle réussite. Par contre, si on peut faire un assez bon succès pour obtenir d'autres avantages, attirer plus de monde, donc avoir plus d'abonnés et obtenir plus d'avantages sur YouTube, ça pourrait être intéressant. Ah tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser. Si vous voulez participer à Canal The City, vous pouvez faire vos propres émissions pour Canal The City, les envoyer sur un service cloud et nous passer le lien de téléchargement. Si vous avez une chaîne perso, vous serez cité dans la description, mais bien sûr, faut que nous donner l'autorisation préalable de. Voilà. Alors pourquoi pas publier sur YouTube? Ben parce que si on publie sur YouTube, on va avoir des problèmes de droits d'auteur, tout simplement. Donc c'est pour ça que le. C'est pour ça que si vous voulez participer en offrant des vidéos à la chaîne et que vous voulez que c'est nous qui les uploadons et pas vous, parce qu'il est possible que vous uploadiez vous-même hein, en devenant membre de la chaîne, bah, il suffit juste de nous les mettre sur un service de cloud hein, et on les téléchargera. Après, on va isoler, recompresser pour gagner du temps à l'envoi, mais bon, ça c'est un grand classique. Et on peut même les monter à votre place. Mais bon, ça, faut nous fournir des fichiers, une archive compressée. Et s'il vous plaît, essayez de compresser vos vidéos si vous participez avant de les envoyer. Ça serait pas mal pour qu'on gagne du temps de téléchargement. Pour cela, utilisez Handbrake. Voilà. Donc j'ai fini tout ce que je voulais dire, tout ce que je voulais vous dire. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Et j'espère que si vous êtes intéressé pour Canal The City, vous pouvez faire vos émissions sur Minecraft. C'est uniquement sur Minecraft, mais toute édition. Et vous pouvez le faire sur PC, sur PE, sur PS3, Xbox, voilà. On est ouvert à ce point-là. Et je vous dis, c'est pas si facile que ça de faire des émissions de fausses émissions de télé sur Minecraft, hein. Ça peut être très facile, mais ça peut être en même temps très long. Donc, c'est pas si facile. Mais si vous vous sentez capable de le faire, vous l'avez déjà fait, ben vous gênez pas, hein. On sera ravis de vous citer et de vous faire une forme de pub par ce moyen-là. Allez, ciao, ciao!